La Bombe, édité par Glénat. Donc c'est un scénario de Alcante et de Laurent-Frédéric Bollé et c'est illustré par Denis Rodier. Il s'agit d'un roman graphique qui raconte les coulisses et les personnages clés de la bombe atomique qui est tombée sur Hiroshima en août 1945. C'est extrêmement documenté, passionnant, comparable en cela à la série télé Tchernobyl. Cet ouvrage s'impose comme le livre de référence sur l'histoire de la bombe atomique. À noter que cet ouvrage faisait partie de la sélection BD Fnac France Inter 2021. L'histoire de la cuisine du mammouth à la pizza. Ce livre a été écrit par Stéphanie Ledu et Stéphane Fratini. Il fait partie de la collection Mes encyclopédies doc de chez Milan. Savez-vous qu'il y a 3000 ans, les Égyptiens préparaient 20 sortes de pains différents, qu'au début du XVIIIe siècle, le café se répand en France? Ce livre, entre le documentaire et la bande dessinée, retrace la grande aventure de l'alimentation. On y découvre que chaque civilisation a développé sa cuisine et que les denrées, les épices et les recettes ont voyagé et changé les habitudes alimentaires et sociales. Ce livre s'adresse aux petits et grands gourmands à partir de 5 ans. Reine des possibles, ouvrage coédité par La Grenouille à Grande Bouche et le Réseau Solidaire, il dresse le portrait d'une douzaine d'acteurs rennais de l'économie sociale et solidaire, parmi lesquels on retrouve Parasol, une des 29 associations de la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Retrouvez toutes les références de ces ouvrages dans le descriptif de la vidéo. Ils sont empruntables gratuitement sous condition au centre de ressources et de documentation de la MCE, au 48 boulevard Magenta à Rennes. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, partager, d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. À bientôt pour découvrir d'autres nouveautés!